monde, heureux d'être avec vous en direct de Berlin dans cette Olympiastadion. Nous allons bien évidemment vous commenter ce match avec Pierre Ménès. Allez, installez-vous, vous allez assister dans quelques instants au coup d'envoi de ce match de Bundesliga, le Hertha Berlin face à Hoffenheim. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. On regarde à présent la composition du Hertha Berlin. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Oui, il a une énorme habileté technique, balle au pied. Toujours très à l'aise sur ses prises de balle et forcément, il provoque beaucoup de fautes. Qu'est-ce qu'il va faire? On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Allez, vous découvrez donc les joueurs qui vont composer cette formation d'Offenheim aujourd'hui. Et l'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Piatek. Allez, il faut le mettre celui-là. Et c'est dedans! Et le but qui donne l'avantage à l'équipe. Un premier pas vers la victoire, mais c'est pas joué encore, attention. Stafilidis, Odairo, Molas Dabour. Un ballon pour l'adversaire. Ballon emmené sur l'aile. Cherche une solution là. Il essaye de trouver la faille. Il faut trouver l'ouverture. La passe est interceptée. On s'approche du but. Allez, dans le couloir. Il cherche une solution. Il va chercher une solution à l'intérieur du jeu. Ouais, la tentative. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Allez, on redouble les passes. Florian Grilic. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Molas Dabour. Stafilidis. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Ouais, la passe est interceptée. Ballon est perdu. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le centre au premier poteau. Un centre, et au bout du compte, pas de danger. Il ressoune. Un mauvais passe directement dans les pieds de l'adversaire. Florian Grilic, Molas Dabour. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Sébastien Rudy. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. On retiendra donc. La seconde période qui reprend à l'instant. Molas Dabour. Florian Grilic. La touche à proximité de la surface. Il faut trouver une option disponible. On cherche des solutions là. Chercher une ouverture bien sûr.
qu'il va faire. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, il résiste bien, il protège son ballon. Oh, le grand danger! Ah, il pouvait faire le trou hein, sur cette occasion. Il a peut-être trop réfléchi avant de prendre sa chance. Hein. Il s'est vu marquer avant de frapper, sans doute. Florian Grilic. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Madeiro. Stafilidis. Cherche une solution là. Allez, dans la surface, il y a du monde. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. La kick. Une ouverture. Madeiro. Stafilidis. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ah, ce serait pas mal, oui. Menace d'Abour. Il prend la frappe. C'était une vraie chance pour eux de prendre les devants. Pau Torres. Ouais, on passe par les côtés. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il reste exactement 20 minutes à jouer. Stafilidis. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Dabour. Voilà, pas très bien exécuté cette volée. Ah, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça pouvait pas donner grand chose. Intervention tranchante, hein. C'est une récupération. Il cherche une solution. Piatek. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Allez, par-dessus. Mounas Dabour. Ouais, il a le temps de centrer. Oh, il marque! Oh, il marque! Oh, il marque le but qui délivre son équipe! Qui délivre cette équipe qui aura fourni de nombreux efforts dans ce match? C'est normal! Ah ça, on peut dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est clair qu'elle aurait aimé marquer ce but un peu plus tôt. Ça a été long à venir et encore, c'est même pas terminé, donc attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il essaye de trouver la faille. Piatek. Il faut trouver une option disponible. Allez, il y a du monde pour reprendre. On a été bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Mounas Dabour. Et on va jouer 2 minutes de plus. Il cherche des solutions là. Il s'infiltre, attention. Il va ramener le jeu dans l'axe. Voilà le coup de sifflet final. C'est... Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff unsere Kamera gekommen sind. Danke, dass Sie bei...
bienvenue à l'Olympia Stadion où, comme vous pouvez le voir sur les images, il pleut aujourd'hui sur Berlin. On va suivre ce match avec Pierre Ménès, vous le faire vivre. On va suivre ensemble une belle rencontre de Bundesliga, on l'espère. Le Hertha Berlin contre Leipzig. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. Ah oui, la bonne passe. Ça peut devenir dangereux. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. On regarde à présent la composition du Hertha Berlin. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. On écarte le jeu. L'ouverture. Marcel Sabitzer. Ouais, c'est joué par-dessus. Timo Werner. Il donne dans l'axe, attention. Ouais, ça passe à côté de justesse. Qui est donné en profondeur. Non, on se demande s'il y a vraiment cru. Alex Telles. Alex Telles. Marcel Sabitzer. Elle mène le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Le Rhein. Konko. Le ballon qui change de possession. Le Rhein. Kevin Campbell. Alex Telles. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Ouais, l'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Ouais, un bon ballon d'attaque. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Au fond, pas de problème sur ce penalty. Allez, tout est à refaire, un but partout. Le Rhein. Marco Grujic. Chercher une ouverture, bien sûr. Non, le drapeau s'est levé, ça va être un hors-jeu. Marco Grujic. Konko. Un petit peu d'espace devant lui. Il cherche des solutions là. L'occasion pour prendre les devants. Et l'arrêt du gardien. Corner qui va. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Pau Torres. On cherche la faille dans la défense adverse. Cherche quelqu'un au second poteau. Il vient placer une tête imparable.
Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Il mène à la marque désormais 2-1. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. On est à la moitié du chemin, c'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Marcel Sabitzer. Kevin Campbell. Konko. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Pas de souci pour le gardien. Ah, il est bien tiré le corner là. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Allez, par-dessus, pas mal. En profondeur. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, la transversale! Attention, c'est pas fini, ça continue! Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Ça a été dévié, touche, Conrad Lemmer. Ah non, c'est un ballon perdu bêtement ça. Alex Telles, Kevin Campbell. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il poursuit son action. Kevin Campbell. Conrad Lehmer. Oh, magnifique! Le gardien qui s'interpose. Cherche le point de pénalty. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Le ballon qui sort, touche. Il va y avoir un changement du côté de Leipzig. Ah, c'était la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. Timo Werner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche le premier poteau. Le gardien qui repousse, attention. Bien dégagé, hein, ce ballon qui était dangereux. Campbell. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Yusuf Poulsen. Ouais, il repousse, ça joue. Oh, ça se termine dans les bras du gardien. Un gardien qui a dû intervenir en deux temps. Ouais, une parade assez miraculeuse pour commencer. La suite a été plus calme. L'équipe qui a failli perdre sa petite avance. Du coup, son public l'encourage. Continue sa progression. La solution dans l'axe, peut-être. Ouais, pas mal le pressing de cette équipe. Partie du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty. Ouais, il gagne son duel et récupère le ballon. Il cherche une solution. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Alex Telles. Conrad Lehmer. Il y a une place là pour une contre-attaque. Il faut trouver une ouverture. Allez, le centre à venir. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Ah, complètement raté cette passe. Kevin Campbell, Yusuf Poulsen, gardien qui nous régale encore avec cette parade. Peut-être la dernière opportunité pour eux. Le corner, le ballon. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. 8 minutes, c'est le temps qui reste à jouer. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Konko.
Kevin Campbell. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Allez, pour qui ce centre? Ce centre qui ne donne rien finalement. Conrad Lemmer. Il est en position pour centrer. Yusuf Poulsen. C'est magnifiquement détendu là-dessus. Il faut égaliser sur ce corner et vite. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Il ressonne la dernière minute avant le temps additionnel. Mauvaise intervention là. Ah, il s'en tire pas mal avec cet avertissement. Attention de ne pas prendre un nouveau rouge. Allez, il faut s'appliquer sur ce coup franc. Il y a du monde dans la surface. Un petit but maintenant et le match serait plié. Installez-vous, vous allez assister dans quelques instants au coup d'envoi de ce match de Bundesliga. Hertha Berlin contre le Borussia Dortmund. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points. Et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Attention à ce coup franc bien placé qui pourrait faire la différence. Ouais, bien capté par le gardien ce coup franc. C'est un match que beaucoup de supporters attendent, avec deux joueurs qui sortent un petit peu du lot tout de même. Deux éléments clés de leur équipe, on attend beaucoup d'eux. Ils ne conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Ouais, lumineux cette passe. Attention le tir. Le ballon qui... Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Le gardien qui avait repoussé une première fois, mais ça n'a pas suffi dans un deuxième temps. Le buteur, il s'est pas fait prier pour marquer. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. C'est dévié, ce sera une touche. Manuel Akanji. Torben Hazard. Ouais, il est en bonne position là pour centrer. Axel Witsel. Torben Hazard. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Le gardien adverse s'empare tranquillement du ballon. Le ballon sort, ça va être une touche. Allez, il faut centrer. Il essaye de trouver la faille. Il cherche des solutions, là. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Le ballon qui va changer de camp. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Reuss. Il centre vers ses partenaires. Ouais, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. En retrait pour le gardien. Oh, il faut l'arrêter. Attention à la frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Sancho. Oh, ça
peut être dangereux. Oh, c'est manqué. C'était une vraie balle d'égalisation pour le Borussia. Ouais, on respire dans le camp d'en face. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Il faut trouver un. Ouais, la passe en profondeur, attention. Hors jeu. Ah, dommage, il partait au but. La kick. Marco Vujic. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ces joueurs qui sont menés, mais on est d'accord, hein, Pierre, pour dire que le match n'est pas encore perdu. Attention de ne pas tirer de conclusion trop vite. Memphis Depay. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pas les supporters adverses, du coup. Le ballon rendu à l'adversaire. Tapé Lazare. Il poursuit son action personnelle. Le centre est contré. Ça ne donne rien. Ouais, bien tiré le corner de Reuil. Excellente intervention du gardien. Il ressoune. Marco Grujic. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées et il gagne quelques mètres. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, il n'a pas capté le ballon, Burki. Mitzel. Il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Fils. On retiendra donc. Ouais, lumière. Match qui reprend avec un Borussia qui était donc mené à la mi-temps. Ils ne conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Mitzel, Emre Can, Marco Reus. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? À la défense a vite réagi, hein, face à cette contre-attaque. On cherche une solution. Ah non, le ballon est perdu. Sancho. Dortmund qui fait tourner le ballon près de la surface avec pas mal de maîtrise. Allez, il faut centrer. Marco Reus. Oh, le poteau. Ah, le ballon qui a frappé le montant et qui est revenu dans les bras du gardien. Ouais, celui-là, il est dedans, c'est pareil. Enfin non, c'est pas pareil. Il est dedans, il y a but. Il va y avoir du changement côté Hertha Berlin. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. On va peut-être assister à une contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Il faut trouver une option disponible. C'est parti dans la surface. Ah non, c'est pour personne. Dortmund qui perd le ballon. Il faut trouver une ouverture.
Là, il fallait intervenir urgemment. Un petit peu pressé sur ce ballon. Voilà, plutôt qu'attendre le ballon, il fallait le chercher tout de suite, en première intention, pressé. Ballon rendu à l'adversaire, ce sera une touche. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Ça sera donc un corner suite à cette déviation. Le corner, le ballon. Bonne intervention du gardien sur ce corner. Achraf Hakimi, il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mais non, ce centre qui n'aboutit pas. Plattenhardt, on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Il essaye de trouver la faille. Ouais, il a bien lu le jeu. Witzel, Marco Reus, Thorgan Hazard, Marco Reus. Ben Marco Reus, c'est quand même un joueur qui perturbe les défenses adverses. Hein. Ouais, il n'est pas facile à marquer parce qu'il décroche énormément entre les lignes. Puis c'est un bon dribbleur. Hein. Ouais, il est assez. Attention, il peut aller au bout maintenant. Le gardien qui repousse, il y a tout. Le sauvetage incroyable. Ouais, sur la ligne. Ah, le penalty. Le penalty, le match est en train de basculer. Et le tournant du match, Hervé, peut-être la balle d'égalisation en cette fin de rencontre. Et ils égalisent donc un but partout. Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Piatek. Plattenhardt. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça n'ira pas plus loin. Constance. Alors, s'ils veulent la victoire, il va falloir s'appliquer sur cette attaque. On jouera 2 minutes de temps additionnel. On cherche la faille dans la défense adverse. Occasion de prendre l'avantage. Ah oui, le but qui donne l'avantage à son équipe. Ouais, en toute fin de match, en plus, il a vraiment bien choisi son moment pour le mettre, celui-là. Allez, c'est terminé à l'instant. Ouais, lumineux cette passe. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Danke, dass Sie bei uns.
évidemment. Le match que l'on va suivre ensemble aujourd'hui est une rencontre de Bundesliga. Le Hertha Berlin face au SC Fribourg. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Il faut trouver une ouverture. Il donne dans l'axe, attention. Ouais, il arrive du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il essaye de trouver la faille. Il faut trouver une ouverture. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. La passe lobée dans le dos de la défense. Ah, il va centrer, il va centrer. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. On va peut-être assister à une contre-attaque. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Et il donne un ballon piqué. La passe en profondeur. Le gardien qui repousse. Complètement raté cette passe. Piatek. Ouais, il est pas... Attention à cette action. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui... Ah non, la mauvaise passe. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter. Oh là là, l'occasion. Et c'est sans problème pour le gardien. Oui, aucun souci pour capter cette tête. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Là, tout le monde s'est un petit peu regardé, mais l'attaquant a fait l'effort. Encore une belle série de passes là pour Fribourg. Il va pouvoir centrer. On a le ballon qui est perdu. Plattenhardt. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici, en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Les joueurs le savent. Oh oui, encore une bonne passe. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, c'est quand même risqué de tacler comme ça dans la surface. Il a pris le risque. Un changement décidé par l'entraîneur de Fribourg. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Alan Carvalho. Et l'arbitre. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ich danke Ihnen.